Sur une exploitation basée essentiellement sur le melon, la salade, on a basculé sur de l'agriculture de conservation, environ 250 hectares. On en est donc arrivé à un système qui est maintenant totalement au point sur les cultures de printemps-été. Donc au Bourgidou, c'est le melon, mais sur d'autres exploitations, je vais faire de la salade, aubergine, poivron, concombre, courgette. Il y a des apports de compost ou de broyat qu'on cible selon la période de l'année. Le choix des couverts végétaux, le sorgho fourrager, hein, qui est une plante tropicale qui pousse extrêmement bien, extrêmement vite et qui nous fait un gros travail de sol. Ton semoir, un Primera hein, d'Amazon, on sème dans le sec et ça marche à tous les coups, c'est-à-dire que ça lèvera quand il pleuvra. 20% de mécanisation en moins. Cette économie-là nous a permis de pouvoir investir dans du matériel plus large et donc nous facilite énormément la vie.